C'est comment? Bienvenue de nouveau sur Cactus, l'information en temps réel. Pas la peine d'aller chercher ailleurs, c'est ici que ça se passe. Au fait, avant de commencer la vidéo, j'aimerais souhaiter bonne fête à tout le monde. C'est parti pour les news. Wesh, comme vous voyez dans le titre, dans cette vidéo, on va parler sur la marque des chaussures de Ibawan et tout. Je vais donner mon avis, qu'est-ce que j'aime sur la chaussure, qu'est-ce que j'aime pas sur la chaussure et tout. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre. C'est parti. Franchement, moi j'ai trouvé la chaussure nickel et tout. Tu vois, comme je vous ai dit par les passés et tout, j'ai dit il y a seulement un seul truc que moi j'aime pas sur la chaussure et tout. C'est TG qui a écrit un gros caractère devant la chaussure. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Donc les gars, ben franchement, moi quand tu me donnes ces chaussures là, moi je vais porter avec un jean slim noir, frère. Si c'est un blanc, je vais porter avec un jean slim noir. Même si c'est noir, je vais porter avec un jean slim noir. Jamais avec des joggings en fait, tu vois. Dans une photo de Ibawan, il a porté avec des joggings. Moi je trouve pas ça trop carré et tout, tu vois. S'il y a quelqu'un qui a l'intention d'acheter des chaussures là, franchement, les gars, c'est comme des Balenciaga avec des semelles épaisses et tout, tu vois. Si vous avez l'intention d'acheter des chaussures, moi je vous conseille de porter avec des jeans slim bien serrés, bien taillés, tu vois. Franchement, c'est carré, la chaussure, c'est carré, c'est mon choix, c'est mon goût, quoi, tu vois. Parce que moi, je kiffe trop des chaussures avec des semelles épaisses et tout. Il faut savoir que la chaussure coûte 15 000 francs par unité, tu vois, ce qui se trouve au Mali. J'ai pas eu des informations concernant, genre, si c'est à l'extérieur, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'à l'extérieur et tout, comment on fait. Franchement, j'ai pas eu ces informations-là. Mais quand même, avec le temps, s'il y a quelqu'un qui sait comment le faire et tout, tu vois, dans le commentaire, vous pouvez me le dire dans le commentaire, tu vois. Ici, il y a des personnes qui sont intéressées et tout à l'extérieur, si c'est possible de faire un transfert par DHL ou je sais pas comment, tu vois. Alors, c'était ça comme nouvelle et tout que j'avais à vous donner sur Ibawan et tout. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas liker, commenter, partager. Donnez-moi vos avis dans le commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la chaussure? À la prochaine.